46 in college Ave, where I was raised, spent my days counting sun rays. Ah très bon, Moussaillon, c'est Monkey Tony. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle réaction live sur une intro du signe de la Révolution Stunting. Ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas vu d'intro du signe de la Révolution Stunting et encore moins d'intro du signe de BMX. Parce que souvent Révolution Stunting c'est plus un peu de la moto, enfin c'est plus de la moto, voiture, tout ça. Et, mais il n'y a pas énormément de montage BMX, tout ça. Donc aujourd'hui ça va vraiment être une intro du signe en BMX et de Skillet Freak en plus, donc c'est pas n'importe qui, parce que Skillet Freak d'ailleurs je savais même pas qu'il avait rejoint la Révolution Stunting, mais franchement c'est quelqu'un que j'apprécie et puis que je trouve qu'il a un bon niveau de stunt. Bon, ça fait longtemps qu'il a rien sorti, donc peut-être il a perdu un peu de niveau, à voir dans la réaction live si il a des bons stunts, mais voilà, ça fait longtemps qu'il a rien fait, du coup ça se trouve il a fait une pause et en reprenant il a peut-être perdu un peu de niveau, on sait pas. Enfin en tout cas les gens qui font des pauses souvent quand ils reprennent ils perdent un peu de niveau, faut le temps qu'ils se réhabituent tout ça. Après je sais pas comment ça se passe pour lui, s'il a vraiment arrêté ou si il a juste arrêté de faire des vidéos tout ça. Enfin bref, aujourd'hui introducing de la Révolution Stunting ou Révolution Alliance, enfin je sais pas trop, enfin j'ai jamais compris par rapport à ça, Révolution Stunting, Alliance, j'ai jamais vraiment trop compris leur délire, mais voilà, aujourd'hui petite introducing et on va voir si c'est une bonne introducing de Skillet Freak. Moi je m'attends quand même à du assez bon venant de Skillet Freak, donc sans plus tarder on commence la réaction live. Ok c'est parti, on va mettre en plein écran, tac, et on va faire le petit décompte, 3, 2, 1, let's go. Ok, la musique elle a l'air cool. C'est une nouvelle intro ça ou... Ouais, donc. Unedited by Underwar. Underwar, je sais pas, je connais pas. Skillet Freak présente. Ok, cool, la musique elle est pas mal. Ah, stylé les petits cadres. Introducing to Revolution Stunting. Ok, ouais, ce stunt on l'avait déjà vu. Je sais plus où d'ailleurs. Ok, il va faire le board. Le petit wall ride un peu street, on va dire. Ah, stylé l'edit. Ok, handle to board. Bunny, ok, il va juste cogner le poteau. Bon, pour l'instant, rien d'exceptionnel. Ok, le wall ride. Le petit bump to board. Oh, plutôt original, je trouve. Un sorte de bump en cog. Ok, le cog. Backflip to handle. Ok, pas mal. Ok, le trid, sympa. Assez basique pour l'instant, mais il y a quand même un peu d'originalité. Ok, le hipster slide to wall ride. Plutôt stylé. Il a des bons spots, ça va. Ok, cog to... Ouais, précision sur le camion. Bon, ça reste quand même assez basique. Ah, ok, il y a un peu de stunt quand même moto. Donc, ouais, un petit stunt en scooter. Bon, après, je peux pas trop juger les stunts en scooter ou en moto. Ok, le petit bump to handle, il va enchaîner le side ride dans la neige. Et il va faire la précision sur le petit silo. Ok. Ok, il va nous faire l'oval ride assez précis, to thread assez épais quand même. J'aime bien la musique, ça va. Ok, le wall ride sur le pont. Ouais, plutôt original, je sais pas s'il a déjà été fait celui-là. Mais bon, ça reste qu'un wall ride, donc c'est assez basique quand même. Ça aussi. Ok, il va faire un stoppy, double stoppy. Il va bumper pour faire un board. Le handle. Ah, il va faire l'entrée parking, ouais. Ouais, ok, bon, c'est assez... Pour l'instant, c'est assez basique, je trouve. Ok, c'est en deux parties. Ah non, même pas, c'est... Ah, c'est déjà fini. Je savais pas. Ok. Bon, bah... Là, quoi.
Skillet Freak, Editor Underwear, Song Mom Jeans. Ok, ouais. Bon, bah, ok, ça va. Plutôt cool. Donc voilà, c'est la fin de cette petite introducing de Skillet Freak de la révolution stunting. Plutôt basique, je m'attendais quand même à un petit peu mieux venant de Skillet Freak. Je m'attendais à un peu mieux quand même venant de Skillet Freak parce que je trouve qu'il a un bon niveau de base, mais là il a fait quand même des stunts assez basiques. Il a peut-être plus visé la clinitude, enfin je sais pas si ça se dit comme ça toujours, mais il a peut-être visé plus des choses clean plutôt que des trucs complexes et originales. Malgré qu'il y avait quand même quelques stunts assez originales, mais ils étaient assez basiques dans l'ensemble. Mais voilà, ça va, c'était. Franchement, je trouve que c'était quand même agréable à voir malgré que les stunts soient basiques. Surtout par rapport à l'edit qui était vraiment plutôt stylé. La musique, j'ai bien aimé, elle est plutôt joyeuse, tout ça. Mais voilà, niveau stunt, ça reste pas du niveau. Enfin, c'est pas vraiment du niveau introducing, c'est plus du niveau un peu leftovers, tout ça. Donc, après, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, ça fait longtemps qu'il a pas stunté. Enfin, ça fait longtemps qu'il a rien sorti, tout ça. Donc, peut-être qu'il a perdu un peu de niveau et c'est peut-être ça qui fait que c'est des stunts assez basiques. Ou alors, c'est peut-être parce qu'il veut plus trop se tracasser avec le stunt. Du coup, il fait juste des stunts assez basiques, juste pour lui faire plaisir, quoi. Donc voilà, sinon dans l'ensemble c'était plutôt agréable à voir. Merci d'avoir regardé la réaction là jusqu'à la fin. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Moi je vous dis ciao tout le monde.